60 ans d'exception, de partage et de rayonnement national et international. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan est en fête. Né d'une idée du père fondateur Félix Houphouët Boigny, après un voyage à Monrovia au Libéria, le joyau est devenu aujourd'hui l'un des plus grands hôtels de luxe en Afrique. Le Sofitel Hôtel Ivoire, géré et dirigé par le groupe Accor, compte plus de 700 chambres, des salles de spa, fitness, cinéma et des restaurants. Tout d'abord, une pensée pieuse pour le concepteur et bâtisseur de l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui, Son Excellence Feu Félix Houphouët Boigny, qui a su orienter la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et de la modernité. Il a doté le pays d'infrastructures majeures qui ont traversé le temps à l'instar de l'Hôtel Ivoire pour ses actions. Après 60 ans de contribution au développement du pays, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan ambitionne poursuivre sa transformation pour mieux servir ses clients et maintenir sa position de complexe hôtelier de référence en Afrique. Il me paraissait donc important de prendre part à cette grande célébration. Je tiens à cet effet à remercier et féliciter M. Michel Butry pour la magnifique exposition de photographies que nous avons pu voir à l'entrée du Palais des Congrès et qui nous a permis d'apprécier l'évolution du complexe hôtelier depuis sa construction jusqu'à récemment. Mesdames et messieurs, l'Hôtel Ivoire, dans sa conception et sa réalisation, fait partie des édifices nés de l'esprit visionnaire du président Félix Houphouët-Boigny pour faire de la Côte d'Ivoire un pays résolument tourné vers le développement et la modernité. Au fil des années, le Sofitel Hôtel Ivoire a vu son nombre de clients augmenter de plus de 300%, témoignant de sa capacité à répondre aux attentes du marché et à fidéliser sa clientèle.